Bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Resident Evil 3. Et nous sommes dans les sous-sols de l'hôpital. Hein. On avait descendu la dernière fois après avoir fouillé un peu tout. On avait récupéré le magnum. Alors le crochet, on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est vraiment bon à savoir. Alors les balles, on va les mettre ici. Ça, je vais le mettre là. L'herbe ici. Alors attendez, hop, hop, hop. Le petit couteau. L'herbe, on va la mettre là. Le magnum. Ah putain, ça va dépoter. Donc on n'est pas trop bien en termes de munitions, hein. Mais ça, on a l'habitude. Donc on va voir ce qui se trame derrière cette pièce. Alors, par contre, donnez-moi juste des munitions. Hein. Vous embêtez pas. Bon, putain, c'est un jeu. Ah ben c'est. On se croirait dans la map Résistance, les amis. Et il m'attend, Nikolai. Oh, tu vois ça, les zombies, là? Alors, attends, Nikolai, parce que, tu vois, j'ai peut-être une explosive, donc on se rappelle, on se fait une bouffe, hein. Ben voilà, eh. C'est bien ce que je pensais, hein. On avait un petit truc comme ça, combiné, pouf, hop, combiné, pouf, voilà. Par contre, je n'ai rien d'autre. Alors, je sens un petit peu mal, on va quand même s'occuper d'un petit spray, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le sens mal déjà, en plus il nous attend comme ça là, je le sens vraiment mal. Je sais pas, ça pue du cul quoi, je vais même enlever ma cam parce que je sais très bien que... Nikolai, tu m'impressionnes, tu me parles pas? Est-ce qu'on peut utiliser le couteau pour péter ça? Non, c'était trop beau pour être vrai. Hein. Je me disais aussi que ça pouvait pas être que ça. Déjà, je pense que... Si, c'est rouge. Donc, il y a bien quelque chose. Peut-être là. C'est que j'ai pas envie de rater de balle, là. Vous comprenez, hein. Vous me comprenez, hein. Franchement, les zombies vont se relever. C'est obligé, là. Ah bah, je suis impressionné par ce petit... Bizarre ça quand même, non? Bon, bah, je pensais qu'on allait avoir une discussion. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini? Il attendait que ça. C'est quoi comme zombie déjà cela? C'est pas des zombies qui ressuscitent ou je sais plus quoi? Des palaïdes ou je sais plus quoi, comment ils s'appellent? Des zombies cul nus? Allez, oups, ça c'est pas grave, zombies cul nus. Putain, j'ai usé des balles, je crois. C'était facilement esquivable, hein, je pense. Alors, avant de faire quoi que ce soit de stupide, on va prendre des caisses. Ouais, ça tu vois, ça me botte mieux, ça, tu vois. Fusible numéro 3. Regardez ce qu'on doit visiter, en fait. Le mec, il nous a fait une énigme, tu sais, il a fait... Le mec, il se prend pour le mastermind. Le mastermind. Pas de hunter, je vous en supplie, pas de hunter. Pas de... Putain, ça aurait pu se refermer, j'aurais pu être bloqué, je suis con, j'y vais comme ça, moi, sans peur. Wow, le réflexe de Baboulinet! Mais est-ce qu'ils sont vraiment morts? Oh, réflexe, ouais, quand même, hein, putain. Bon, au moins, ça nous évite d'aller chercher là-bas. Hein, on est d'accord, hein, avec ça. Putain, par contre, le mec...
Vous êtes pas sérieux, quoi. Bon, au moins, ça évite de passer par là. Hein. Le mec, il nous contrôle direct. Le mec, il nous contrôle. Désolé, je dois repasser là parce que j'ai pas mis de raccourci. Il va mort, on est chez mort. C'est pas possible, quand il y a un truc comme ça, c'est pas normal. On est d'accord. Ah ah. Ça c'est ma fille, hein. Si vous l'entendez, c'est normal. Ça se trouve, il n'y a plus rien à ramasser. Ah, on peut passer par là. Peut-être pas, bah oui. Bah alors attends, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un truc à faire? Est-ce qu'il va nous monter l'ascenseur? Je déteste. Bah c'est bien, c'est un moment de stress parce qu'en fait t'es dans la pénombre comme ça, tu vois, tu arrives comme ça, tu t'y attends pas quoi, tu te dis putain mais what the fuck quoi. Mec. Non mais c'est vrai hein. Non je stresse pas du tout, si un petit peu quand même. Bah c'est vrai que quand on est plongé dans le noir, ah puis ici il va peut-être se passer un truc, oh putain. Un zombie qui va m'arracher le bras. Putain, vous savez quoi les gens, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on est le 13 avril. Et Brigitte Macron, c'est pareil! Je porte plainte, je proteste! Je ne veux pas, surtout. Alors, on va rester vigilant. Oh, un Charlie! On n'a peut-être pas besoin d'utiliser nos munitions. Voilà. Il n'y a rien ici. Peut-être, tu vas me dire que j'ai oublié des trucs. On se croirait vraiment sur la map Mastermind en fait. T'as un truc malsain quand même ici. Hein. Y a un truc malsain, hein, je veux pas dire, mais. Ça fait quoi ça? Ah, il nous regarde plus lui. Je sais pas où ça mène cette porte en fait. J'ai préféré d'abord aller fouiller. Vous comprenez? Il y a un fusible. Mais alors là-bas ça mène où? Attendez, je vais quand même essayer. Chose ici. Loul. Encore un peu, je l'aurais pas vu. Ce passage dans l'obscurité. Mais ça doit mener qu'elle soit c'est fermé. Soit c'est ouvert. Alors, 12 septembre, admis au N2, homme de 45 ans, femme de 32 ans, éliminé, homme de 60, femme de 89 ans. 15 septembre, admis numéro 2, fille de 8 ans, non infectée, renvoyée. Putain, il faisait des tests comme ça en fait. Éliminé, tendance à la hausse des transfert de nuit, remarqué par une infirmière. Ouais, c'est pas vraiment un document important, on est d'accord. Il y a une petite musique que j'aime pas. Ah! D'accord, regardez où on est. Ça, c'est cool. On est dans la safe room, les amis. Alors, attendez, je vais déposer ça parce qu'on a trop de trucs comme ça. Je vais d'abord faire ça. J'avais pas un machin? Ok, on va déposer ça, du coup. Laisse tomber. Je pensais... Ok. Bah, c'est bien qu'on est dans la safe room, comme ça. Donc, je vais pouvoir repartir là-bas. Vous levez pas, un bande de cons. Trois zombettes qui t'attendent comme ça, quoi. C'est quand même énorme. Ça, je le ferai juste après. Hein, parce qu'à mon avis, il y a un machin à baisser. Et ça va nous emmener je sais pas où. Me demandez pas, hein. Déjà, si on survit ici, à cette exploration, ce sera déjà bien. Putain, gros
Désolé, mais... Vous avez eu le nombre? Sérieusement? Le nombre de zombies, quoi! Eh, sérieux? Ça, le truc, là, je le sens pas. Il va se lever, lui. I'll be back. Ah non, mais ça, je me suis approché, ça a respiré, j'ai fait, c'est bon. Ça, c'est Marcel qui veut sortir, hein, en promenade. L'herbe verte, c'est bien, ça va m'équiper. On en a deux de fusibles, je suis full. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais vous avez eu le nombre de zombies qu'ils ont mis, quoi. Alors, attendez, est-ce qu'on peut baisser ça? D'accord, on a une cartouchière de fusil, ok. Le peupon est fait. Alors ici, est-ce que j'étais venu déjà? Oui, c'est là où je viens. Enfin, là où on passait par ici. Mais... Il me dit qu'il manque des trucs. Alors peut-être... Ah oui, bah oui, le dernier... Le dernier qui est là. Comment on descend là alors? Comment on passe là surtout? Alors attendez, je vais faire de la place. Vous levez pas, je vous le dis, vous êtes interdit. Alors déjà, on va poser ce mélange. Ah ben attendez, ça, je vais pouvoir le prendre. Je vais pouvoir le combiner à ça et ça combiner à ça. Ça c'est bon. Ah oui, je me garde une herbe parce que je... Moi je te le dis, je sens la merde. On va faire une petite save parce que je le sens pas. Je sais pas, mais je le sens pas. Franchement, ce truc là, je le sens pas. Il est là, le machin, mais comment on fait pour venir ici d'ailleurs? Ah bah, il y a une échelle ici. Ah oui, mais comment on a... Ah, je l'avais pas vu, cette porte, Marcel. Si tu me dis rien aussi. Attends, y a pas un truc là? T'inspectes, hein, ma petite Jill? Y'a que des cartons de chez Amazon. Ouah! Ne cédons pas à la panique! Non, je suis toujours ok, il m'a touché mais il m'a rien fait. Et voilà, ça y est. Tout est vert. C'est que vous imaginez si j'avais pas sauvegardé que je serais mort par le Hunter, ce qui serait passé. Moi je vous laisse imaginer. Oh putain, toi tu sors le Magnum, t'es comme ça toi. Bon, tu me diras, à mon avis, les zombards, là, ils vont se réveiller, hein. J'ai mal au bide. Vous êtes bien mort, hein, bande de cons. Attends, t'as un sens en plus à les mettre ou... Non, ça se les met tout seul, d'accord. Voilà.
Nicolas, il prend... Il a juste essayé de me retarder, ce con. Ah, mon bébé, c'est vrai. Et il est parti, bien sûr. Nico, merde. Merde, il s'est barré. Bah, tu croyais quoi, Jill? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Bah, je sais pas, moi. Demande-lui la prochaine fois que tu le vois. Hein, ça, on va pouvoir déposer. Il était là, il me regardait. Le magnum, oh, en canon long, oh, oh, oh. Ok, allez, petite save après ce passage. Bon, alors ma partie R2, j'avais fait 40 save, alors du coup je peux me permettre un petit truc. Putain, y a rien à part ça, quoi. Que je fasse quoi là? Rapport d'activité inachevé. 26, 9, 1300. Infiltration de RC, incident sporadique. Début de la mission. 1930, 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus. Agents tués au bout de 20 minutes. 27, 9, 1200. Test conduit à l'université en voie d'un groupe non canidé vers le campus. 64% d'infection et de conversion en 2 heures. Aucun survivant. 2300, rendez-vous. Établi avec le peloton de MV. Première tentative prévue à l'aube. 28-9, 0-430. J'ai entraîné le groupe vers le poste de commandement. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée. Avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. Enfin, de combattants, oui. 0-800, fin de l'affrontement. 7 survivants. 1800, arme biologique inconnue déployée au point D18. Je la suis conformément aux ordres. Elle semble traquer une proie. 2000, j'ai repéré deux stars. Un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. Ah bah oui, c'est... Ah bah oui. 0-1, la femme. Jill Valentine a rencontré le peloton de MV. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. 0-400. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer JV. Et connaît le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. 0700, métamorphe de l'arme biologique déclenchée par un combat avec JV, voire vidéo. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. Ça, c'est Nikolai. 030, plus de 17 heures se sont écoulées depuis que JV a été exposé au virus. La transformation est lente, ce qui suppose qu'elle résiste. 0400, vaccin récupéré et administré à JV par Carlos Oliveira, un soldat du peloton de MV. JV devrait être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet N. Chaque contact avec JV l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir des données précises. Plus précises. T'as le mec? Jill! Tyrell! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Oh. Oh. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin. Avant le lancement. On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Moi. Wow, 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 wow. Ah ouais, ils veulent bien. Ah bah là, les cocos, ils veulent bien te donner un petit antivirus. Enfin, faut donner le vaccin pour... Y a plus rien. Vas-y, ouvre-moi la porte, Jean-Charles. Le vaccin devrait être par là. Ouvre-moi cette fucking porte. Vas-y, passe devant. Oh, je le sens pas, ça me fait penser à un truc avec des rayons. Pourquoi je peux pas courir en plus? Il va se faire découper, tu vois, comme dans le film. Ils ont pompé un peu le film, là, à mon avis. T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. Tu vas me ralentir, mec. En plus, tes pieds, ils touchent pas le sol. Alors on continue. C'est encore plus craintif. Oh, je te sens pas. Je te sens pas, mec. Bah, vas-y, ouvre. On y est presque.
tu putes la gueule. On peut dire qu'il nous aura fait chier jusqu'au bout, celui-là. Non mais, tu peux me dire comment il savait qu'on était là? Comment il peut venir ici? Ah oui, bah c'est l'autre Nicolas, je suis con. L'équatamination en cours. Oh, il y a des gollums! Vous avez vu? Alors attendez, parce que là, moi, je vais employer les moyens les plus forts. Il me faut une main. Je vais prendre la main de ce monsieur là. Bon, si tu te relèves, tu te relèves. Hein. On n'a pas de plan hein, d'ici. Ah, une save room. Ah, du coup, attendez, moi je vais pouvoir utiliser ma plante là. On se sent bien. Ben, des documents. Règlement intérieur du Nest 2. Donc on est bien dans le Nest 2. Les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, qui incluent la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer des armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à des nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Plan du Nest. En plus, t'as encore quelque chose à prendre de ce que j'ai vu. Ah, voilà. Je pense que c'est tout. Et maintenant, je crois que j'ai encore des balles. Hein. Oui, poudre noire, on va la prendre. Pour combiner hop, avec ça. Parce que là, c'est un peu la merde. Hein. Il y a ma fille qui est en train de faire de la lecture et elle tourne les pages comme ma femme. C'est juste excellent. Alors, on va recharger les armes. Elle fait exactement comme ma femme, c'est juste excellent. Et on va se faire une petite save. Ah, c'est excellent. Ah, ma fille, elle est trop géniale. J'adore. On est fan. Oh putain, je sens pas ce couloir de la mort là. Confinement partiel. Confinement partiel. Journal d'Isaac Grave. La paye est bonne et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de la technologie médicale de pointe pour un prof d'université coincé dans un trou paumé. C'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici, à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer, il faut que le monde le sache, mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et Casey. Et je me dis que ce ne serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils ont carrément donné en pâture au bêta. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit, pour elle. Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Pauvre gars. Bah maintenant t'as plus de tête. Bon bah ici c'est fait, hein, on a visité. Oh là, attends, je le sens pas, ça fait un effet bizarre là, mec. Confinement partiel activé en raison de situation d'urgence. Je vais demander au personnel
J'ai cru entendre un Charlie. Oh, je le sens pas, les mecs, ici. Mais alors, je le sens pas du tout. Ça, je croyais que c'était des documents à lire, mais en fait, non, t'as que dalle à lire. On n'a pas tout pris. Le rôle des antivirus dans le synthèse des vaccins. Docteur Nathaniel Baird, chercheur en chef de l'hôpital Memorial, pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccins efficace. En traitant cette base de vaccins avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes dernières échantillons d'antigène montrent un taux de production d'anticorps exceptionnel avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec des méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections. Ok. Ok, baby. Vous allez vous relever, vous, de toute façon, je le sais. Ah ouais, non, mais c'est obligé. Mais j'ai pas tout pris. Qu'est-ce qu'il y a? Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. J'ai une clé USB là, les gens. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. La synthèse? Je dois faire ça moi-même? Bon, va falloir trouver comment. Bah moi je vois plein de bonbonnes, mais je vois pas ce qu'on peut utiliser en fait. C'est quoi ce délire? Alors attendez, si je regarde la carte. De toute façon, on peut pas passer. Il y a une porte que je n'aurais pas vue. Cette grande porte verte, peut-être. Ah bah oui, en fait, c'est même pas une porte. Ah, c'est un Charlie. Putain, je l'ai entendu, mais... Oh, regardez, c'est des tyrans. En veux-tu en voilà, des tyrans à gogo, quoi. On doit mettre les compartiments, mais... Putain, je sais pas ce qu'il faut faire, là. Ah, je sais. Vous savez, il y a une porte là-bas à gauche. Peut-être que c'est ça. Vous voyez ici. Peut-être qu'il faut placer la clé USB. Mais en tout cas, les amis, ben, on va se quitter ici pour cet épisode. Et je pense que le prochain sera le final. Ouais, je pense qu'il sera le final. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et portez-vous bien. Bye bye.